Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Boisseau et aujourd'hui nous allons vous parler lavage. Cette vidéo rassemble à la fois les bonnes pratiques pour faire un bon lavage, mais aussi présente toutes les nouveautés rassemblées dans toutes les nouvelles Bro 9000. Attention, lors du lavage, prudence et sécurité sont de mise. Nous vous recommandons donc de suivre scrupuleusement les indications qui vous sont données. Pour bien préparer le lavage, dès la parcelle, dégagez les accumulations de déchets en les sortant de la tête de récolte. Vous éviterez ainsi la chute de déchets sur les routes et chemins. Positionnez la machine sur l'aire de lavage, une aire bétonnée disposant d'une récupération des déchets est conseillée. En cabine, activez le mode lavage. Les sécurités sont ainsi spécifiques au lavage. Les douches présentes sur l'écran montrent le mode lavage. Activez la télécommande sans fil. Dès lors, la télécommande est la seule capable d'activer les fonctions. Une icône sur l'écran permet de vérifier la réception télécommande. Branchez la machine à votre installation en eau. La machine est équipée d'un raccord rapide à cam femelle ainsi que de raccords mâles correspondants. Le dispositif comporte deux vannes, l'une pour le pré-lavage et l'autre pour la lance manuelle. S'assurer que la vanne pré-lavage soit ouverte et ouvrir l'eau. Actionnez la position noria lavage ainsi que les aspirateurs. Le système de pré-lavage va ainsi pouvoir dissoudre les sucres et laver les déchets. Six sprinklers dirigent l'eau vers des points stratégiques, comme les plaques de secouage, l'intérieur convoyeur. Deux sprinklers sont positionnés sous les godets au déchargement. Ils peuvent ainsi, comme dans un lave-vaisselle, faire tomber les déchets et les évacuer à l'aide des convoyeurs. Pendant le pré-lavage, le laveur peut s'équiper. Chaque nouvelle Bro 9000 est fournie avec un kit de deux combinaisons de lavage. Cette combinaison dispose d'un logement prévu pour emporter la télécommande. Retirez les portes arrière ainsi que les portes avant. Initiez le lavage de la partie basse de la tête. Un kit tuyau disponible en option permet de laisser le pré-lavage connecté et de disposer de l'eau pour lavage de la partie basse de la machine. Arrosez l'intérieur de la tête de récolte en commençant par l'avant, les boîtes sous bâtis secouage, les bâches, puis poursuivre à l'arrière de la tête de récolte. Les nouvelles Bro 9000 étant équipées de goulottes arrière, l'extérieur machine est beaucoup moins sale et donc permet de gagner du temps de lavage. Pendant toute la durée du lavage, évitez d'asperger directement l'eau vers l'entrée filtre à air moteur ainsi que vers le pot d'échappement. Montez sur la tête de récolte. L'eau est directement disponible sur la plateforme. Si le débit d'eau est insuffisant, diminuez ou fermez la vanne de pré-lavage. Lavez les parties accessibles sans relever les rambardes. Le lavage peut être poursuivi rambarde ouverte avec les norias, les convoyeurs et mailles dégreneurs en fonctionnement. La plateforme permet d'évoluer jusqu'à l'arrière pour laver l'ensemble. Ouvrir les portes égreneurs et relever les bennes si besoin. Seuls les éléments dangereux sont stoppés. Des guides-pieds sécurisent le laveur de la chute involontaire, de même pour les rambardes. Si la télécommande n'est pas disponible, vous disposez des boutons côté arrière-droit cabine. Ces boutons-ci pour gérer la montée et descente des bennes, ainsi que la paire de flèches pour activer la noria lavage et les convoyeurs, ainsi que les mailles dégreneurs et aspirateurs supérieurs. En cas d'urgence, appuyez sur ce bouton, cela stoppera toute action liée au lavage. Pour nettoyer correctement les hottes et aspirateurs, positionnez les bennes à 45 degrés, puis fermez les rambardes. Appuyez ensuite sur l'une des deux flèches cabine, puis redémarrez la fonction nettoyage avec la télécommande. Vous pourrez ainsi laver les ventilateurs en fonctionnement en toute sécurité. Dès l'ouverture rambarde,
les aspirateurs se coupent immédiatement. Depuis la plateforme, levez complètement l'ébène. Les volets de convoyeur vont s'ouvrir automatiquement et diriger l'eau sale vers l'extérieur. Finir le lavage partie haute en nettoyant passerelles et déchets restants. Fermer la vanne de lavage manuel, descendre de la plateforme, garder le pré-lavage activé, puis effectuer une finition du lavage en se concentrant sur l'extérieur des bâches, les longerons machines, ainsi que sur les bennes et égreneurs relevés. Finir le lavage machine en intégrant le tracteur, vitres, clignotants, phares. Les ouvertures dirigent l'eau sur la partie basse de l'appareil de récolte. Mettez le tuyau environ 45 secondes par côté pour rincer entre chaque godet de noria. Stoppez l'eau, arrêtez la noria lavage, remontez les portes, n'oubliez pas de déconnecter le tuyau d'eau. Déconnectez la télécommande, stoppez le mode lavage et remisez la machine. Vous pourrez effectuer le graissage machine après lavage. Et n'oubliez pas, la sécurité avant tout.